Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multigaming, c'est Béni. On se retrouve pour le 24e épisode de GTA San Andreas. Donc allez, on continue. Puncture Woods. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on our shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea. Ok, donc allez, c'est parti. Maintenant cette caisse a été modifiée pour lancer des stingers. Pardon madame. T'as que 3 stingers. C'est des missiles ça, les stingers, non? D'accord. Je sais pas trop comment on fait. On va voir. C'est par en bas. Ouais, je sais pas trop comment on fait. On voit que dalle là. On voit rien. Ah ok. Ah le singer c'est ça, ok. Ok. Bah. L'a pas eu? Arrête tes conneries. Arrête tes bêtises. Oh putain. Arrête tes bêtises. Ah si elle est. Elle est venue crever, non? Je crois. Bon, on va essayer. Oh là là. Elle roule comme une tarée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a bugué, je crois. Ok, c'est bon. Avance. Qu'est-ce que tu fous? Non mais elle est conne ou quoi? Oh là 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 là. Par contre, elle. Elle est bourrée. Hein. Ok, donc. Ah! Magnifique. Nickel. C'était chaud, mais on a réussi. Hey CJ, how's it going with that crazy bitch, hein? Popped her. Just about to fix the tire. She'll be back any minute. Okay, careful with that pouch repair shit. It's nasty stuff. Will do. Later, man. Okay. Stuff is disgusting. Oh shit! All over my clothes. Ok. Alors ramène la voiture au garage. Ok, bon mais ce qu'on va faire, on va se retrouver directement là-bas parce que la route va être un peu longue je pense. Donc je vous dis à de suite. Ok bon on y est au garage. Donc allez, c'est parti. Oula, pardon. Allez. Propriété acquise. Ok. Cette propriété va maintenant générer des revenus de 8000 dollars maxi, pardon.
pense à venir récupérer ta thune régulièrement. Magnifique. On devrait m'appeler normalement. On va attendre un peu. On va nous appeler normalement. Allez. J'ai plus de... Arrange de Torino, putain, ok. Donc il va falloir aller... Il est où le range de Torino? Ah, ok, là-bas. Ok, donc on va aller directement chez Torino, donc je vous dis à de suite. Ok, bon, nous y sommes devant chez Torino, donc avec la pluie qui rend les graphismes un peu chelou. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Interdiction. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign. Unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country, and over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside. Okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collected. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Ok, donc notre frère enfin, va bien, entre guillemets. Va El Castillo del Diablo dans le désert. Allez, c'est parti. El Castillo del Diablo. Donc on va visiter la nouvelle zone, je pense. Hein. Non. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on va visiter la nouvelle zone. Oh, sympatoche. Avec les petites tentes indiennes. Sympa, sympa. Donc cette zone, je me rappelle plus. Oh putain. Pardon. Cette zone, je me rappelle plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Donc, alors déjà, on va appuyer Start War. Par où il faut passer? Ok, donc à droite. Par le pont. Ok, donc ça fait un peu penser à... Bah c'est le désert, hein. Penser au Nevada. Je sais pas de connerie, c'est Nevada, ouais. Ça a sympa. Ça a sympa, ça change de zone un peu. Donc après la ville, après la verdure, nous voilà dans le désert. Oh là. Ok. C'est sympa ça, c'est un barrage. Hein. Sympatoche ça, ce petit barrage là. Ça fait penser un peu au barrage de GTA 3. Pour ceux qui ont suivi le Let's Play sur la chaîne. Ok, donc il faut à la gauche. Ok, donc c'est en bas. Allez.
Ok. Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone, and wait for that package. Prends les roquettes. Trouve un véhicule adapté, va jusqu'au sommet. Je prends la moto, hein. C'est mieux, non? Jusqu'au sommet. Il fait un peu nuit par contre, c'est un peu chiant. Je vois rien du tout. Je sais pas si vous voyez, je vois que dalle. Je vois que dalle. Les gars, je vois rien. Je vois rien. Ah, ah, ok. Ok, ok. Putain, quel con. Quel con. Ok. That's our cargo arriving now. Jesus, will you stop doing that? Ok, donc allez, convoyer, c'est le jour, mais c'est normal, parce que j'ai échoué la première fois. Non mais arrête tes conneries, c'est trop dur à les toucher, c'est vraiment, vraiment trop dur. Là, je sais pas, la visée, on dirait qu'elle est pas stable. Ok, au moins. Ok. Oh, les deux en même temps, incroyable. Incroyable ça. Première fois que ça m'arrive. C'est incroyable. Oh, je croyais que j'allais l'avoir. Allez, s'il te plaît. Putain. Non mais c'est abusé. Mais comment tu fais pour le louper? Arrêtez comme... Non mais... Ah, c'est du foutage de gueule, ouais. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule des fois. Ok, attention. Faut se cacher. Faut prendre de la vie. Prenons de la vie. Il y en a encore un autre. Ah, tes conneries! Ah, j'arrive pas, c'est quoi? Oh putain, ça a abusé. Là, je l'ai pas eu. Non, mais arrête, tes conneries. C'est abusé. Franchement, c'est vraiment... Faut que tu te barres, l'hélicoptère, sinon tu vas me crever, là. Voilà, c'est mort. Oh non! Magnifique! Oh là là! Il allait crever, hein. Allez. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable. J'ai réussi. J'ai essayé pas mal de fois en vrai. En vrai, c'était chaud. C'était chaud. Si je tombe là, je crève. Hein. Ouais. On va descendre safe. On se casse la tête. Sinon, on va crever. Donc par contre ce que j'ai fait aussi, j'ai amélioré, j'ai mis un peu plus de luminosité par contre, pardon, j'arrive pas à parler, j'ai mis un peu plus de, oh putain, j'ai mis un peu plus de luminosité, parce que il y en avait pas beaucoup en vrai, la nuit c'est compliqué à voir, donc j'en ai mis un peu plus, on verra ce que ça donne, pour l'instant j'ai pas trop vu encore, parce que j'étais beaucoup de jours. Donc voilà, j'ai essayé et franchement j'ai passé pas mal de fois.
On va réussir la mission, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. C'était vraiment, vraiment chaud. C'est le tir d'avion, j'ai l'impression. Oh. Allez. Allez. Ah, ok. Oh putain. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Okay. Super. C'est quoi, un porte-avions, là? Non, c'est un pont. Il y a un hélico. Il est le coup, hein. Bon, on va pas le prendre, mais on attends, c'est pas bon maintenant. C'est pas là. Ok. Ok, ok. Donc c'est ici. Ok, c'est là. Magnifique! Magnifique! Ok, donc on est devant chez Toreno. Donc allez, on va continuer. Petite dernière, tranquillou. Allez. Verdant Meadows. Verdant Meadows. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit, Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you, Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Okay, donc il veut que j'aille acheter une priorité à un dollar. Ah, okay. J'achète la piste abandonnée. Je prends la voiture. Ce qu'on va faire, on va se retrouver directement là-bas. Hein. En vrai, ben on va faire ça. À la de suite. Droite. Donc il va falloir acheter le. Oula. Oula. Oula, oula, oula. C'est bon. Donc elle a acheté. Cimetière d'avion, j'ai l'impression que c'est. Achetons-la. Ok. Ah. Yo, CJ. It's like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it, and I'll holler at you. Later, man. Donc ok, il nous a appelé pour faire des courses de voiture. Oh non, j'ai pas assez de cash. Ok, donc c'est bon, j'ai les 80 000, donc on va pouvoir acheter l'arrière. La propriété, regarde là.
Bon, bah ce qu'on va faire, c'est que nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de GTA San Andreas. Allez, peace, prenez soin de vous.